Merci et merci de m'inviter. Je suis vraiment désolé, j'ai un tout petit peu de retard. Alors, j'étais justement à l'AFD ce matin pour une session de formation avec la Fédération des agences d'urbanisme sur comment on voit ces questions de coopération décentralisée de climat. Donc, c'est ma matinée sur le sujet. Donc, que dire en introduction? C'est un sujet assez compliqué. On est, je crois, dans un moment, et je crois que c'est très bien que le CESE s'en préoccupe, où on a pris beaucoup de décisions internationales, construit une boîte à outils, et on ne sait pas très bien encore comment tout ça va fonctionner. On est dans ce moment-là. Voilà, on a des décisions, des outils, et il faut faire fonctionner tout ça, et y compris, et ça, j'essaierai d'y revenir, le faire fonctionner dans un moment... politique et culturelle dans l'histoire de nos sociétés où l'ouverture à l'autre et la coopération n'est pas obligatoirement la priorité. Or, tout ce qu'on a justement décidé au niveau de la communauté internationale dit la nécessité de renforcer les coopérations et d'avoir une approche globale du monde. Donc on voit bien, et très concrètement aussi en France, mais l'Angleterre nous l'a montré il y a quelques jours, j'étais à Londres hier, à quel point il y a là un affrontement et une contradiction, et soit on va la dépasser, soit au contraire on n'y arrivera pas et on se prépare un 21e siècle extrêmement douloureux. On est dans ce moment-là, on est dans ce moment-là. Alors, par rapport à ma présentation, peut-être un mot complémentaire, je m'en excuse, Monsieur le Président, mais en fait, je pense que si vous m'avez invité, c'est effectivement d'abord avec ma casquette de porte-parole climat de l'Organisation mondiale Cité Gouvernement Locaux Unis. Et donc, depuis une dizaine d'années, je représente les villes et les territoires dans cette négociation. Donc, je revendique et j'assume une des pires empreintes carbone de l'histoire de l'écologie politique, même si je suis rentré en TGV de Londres. Et donc c'est avec cette vision-là depuis 10 ans que je peux peut-être vous donner modestement quelques éléments. Bon, on a connu une année 2015 quand même extrêmement importante. On l'avait dit avant sur le fait que cette année serait clé. Elle ne nous a pas déçus. Et même on peut être... assez satisfait des décisions prises. Donc l'accord de Paris sur le climat, dont la dynamique continue. J'étais à Rabat la semaine dernière, Marrakech se prépare. Il y aura un certain nombre de sommets préparatoires clés, dont un à Nantes, qui sera le principal sommet de l'année des acteurs non étatiques. Donc je vous y invite, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc cette dynamique continue. Ça, c'est le climat. On a évidemment adopté les objectifs de développement durable en septembre à New York, ce qui est un saut qualitatif dans l'approche internationale des enjeux. C'est-à-dire la différence entre les ODD les objectifs du millénaire, donc la séquence précédente sur les grands enjeux de développement, c'est qu'avec les ODD, on dit maintenant très clairement, ce qui n'était pas le cas avec les objectifs du millénaire, que si on ne répond pas aux grands enjeux environnementaux, on ne répondra pas aux enjeux de développement. C'est une idée assez neuve. C'est un peu la déclinaison de Rio à l'échelle onusienne, mais il aura quand même fallu assez longtemps entre Rio et aujourd'hui pour finalement... On intègre l'ensemble de ces préoccupations dans une approche systémique mondiale. Donc les ODD. Les ODD, ça veut dire aussi, et je pense que ce n'est pas encore assez vu, pour en discuter notamment au niveau des réseaux de collectivités européennes, ça veut dire qu'on n'est plus simplement sur une remise en cause ou un questionnement des politiques publiques en direction du Sud. Ça veut dire aussi qu'on est sur un re-questionnement des politiques du Nord et notamment des politiques territoriales. Ceci dit, faire des ODD une boussole, par exemple, des politiques urbaines européennes, c'est quand même encore une idée neuve et le questionnement commence
Le dernier sommet, par exemple, d'ICLI à Bilbao, la question était sur la table. Comment on y répond, c'est quand même encore un effort intellectuel, et je pense que la doctrine ou le paradigme est très loin d'être posé. Mais en tout cas, avec ces ODD, on a aujourd'hui un nouveau paradigme dans l'approche collective des grands enjeux du XXIe siècle. Et puis on a eu une troisième conférence, alors, qui n'est pas du même niveau que les deux autres, mais qui a son importance, qui a été la conférence d'Addis Abeba sur le financement, qui a aussi débouché sur un texte. Et globalement, je fais extrêmement simple et raccourci, mais Addis Abeba dit, de toute manière, si on ne finance pas tout ça, ça ne marche pas. Okay. Et puis ça énumère tout ce qu'il faut financer, y compris avec un chapitre important sur le rôle des territoires. Donc on a aussi réussi à faire passer cette idée-là. Par rapport au territoire, juste un mot pour dire, puisque finalement c'est par cette entrée-là que moi je suis un petit peu intervenu dans la discussion sur les ODD, il y a un ODD sur la ville et les territoires durables. Ce qui là aussi est une nouveauté, c'est une nouveauté au sens politique, dans le fait que les États avec lesquels je discute depuis une dizaine d'années dans le cadre onusien n'aiment pas, voire n'aiment pas du tout pour certains d'entre eux, les références au niveau infra dans les textes internationaux. C'est considéré comme une remise en cause de la souveraineté. On a mis des années pour obtenir 5 mots dans une déclaration sur le climat, sur le rôle des villes et des territoires. Si vous reprenez le texte de Kyoto, il n'y a rien, strictement rien. Et la première mention, on l'a obtenue. Et on a vraiment négocié énormément dans le texte de Cancun, donc un an après Copenhague, avec un « including local and subnational government » qui m'a bien coûté une centaine de réunions. Donc 5 mots sans réunion, ça rend humble. Mais bon, c'était quand même un premier point. Et là, par contre, à Paris, il y a vraiment un vrai chapitre opérationnel sur le rôle des territoires dans l'accord de Paris, notamment dans la partie qu'on appelle Workstream 2, c'est la partie 2015-2020. Donc, bon, quand même, un certain nombre de choses avancent. Et donc, dans les ODD, on a obtenu ce texte, enfin, cet objectif, un des 17 objectifs, sur la ville. On l'a défendu, ça c'est un progrès important, on l'a défendu aussi de manière transversale au niveau des groupes constitués de la société civile. Vous savez, à l'ONU, il y a les États, et puis il y a une place pour ce qu'on appelle les constituency ou les groupes majeurs, donc c'est les collectivités locales, les entreprises, les fermiers, les ONG, les jeunes, les peuples indigènes, je ne vous donne pas la liste complète. Et ces 9 groupes ont travaillé, ça j'en avais un peu la responsabilité, sur le fait de délivrer des messages communs. Et notamment, on a réussi à délivrer un message commun, alors pas à la totalité des groupes, mais c'était quand même très représentatif, de soutien à un ODD sur la ville. C'est-à-dire que les réseaux de collectivités défendent un ODD sur la ville, on s'y attendait, mais que derrière, les chambres de commerce, les syndicats, où un certain nombre de grandes ONG défendent le même objectif. Je pense que ça a un peu marqué au niveau onusien, ça m'a fait un peu crisser quelques dents de dire que les groupes majeurs finalement sortaient du rôle qui leur a été dévolu de s'occuper que d'eux-mêmes. Mais je ne dis pas que c'est ça qui a été l'élément central, mais je pense que ça a participé du fait de gagner cet ODD important. Donc voilà, donc on a l'ensemble des accords. On a des outils de financement, il y en a dans l'accord de Paris, il y en a dans Addis Abeba. Donc, on a les objectifs et on a la boîte à outils. Et la question, c'est comment ça marche. Et ça, je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Donc, il va falloir maintenant montrer que ça marche. Parce qu'en fait, le risque principal... Après cette année 2015, qu'on peut considérer vraiment comme positive dans les messages internationaux qu'elle a délivrés, elle n'est pas que positive, hein, par ailleurs, quand on voit l'état du monde, mais ça, c'est un autre sujet, enfin, qui évidemment carambole le premier, mais en tout cas, les axes que s'est donné la communauté internationale sont des axes intéressants.
Maintenant, si dans les années qui suivent, même on dirait presque dans les mois qui suivent, ces objectifs ne sont pas déclinés de manière opérationnelle, tout le monde oubliera très vite, y compris qu'il y a une boîte à outils, et chacun reviendra à ses petites affaires. Et à l'autre vision du monde qui monte en parallèle, qui est de dire il est quand même grand temps de se défendre vis-à-vis de son voisin qui devient la principale menace. Et l'Europe, là-dessus, quand même fait preuve de beaucoup de volontarisme dans les messages qu'elle a passés aux autres. Et ça continue. Donc voilà, donc on est dans cette course de vitesse-là. Ça donne un rôle assez intéressant, justement, aux coopérations décentralisées dans le moment. Ça, c'est un sujet assez passionnant. Les coopérations décentralisées en France, j'arrive tout de suite sur la dimension nationale, mais finalement, elle éclaire assez le monde, sont assez remises en cause aujourd'hui. Je respecte tout à fait la neutralité politique du CESE, mais on est obligé de reconnaître que notamment les équipes de droite qui ont pris les régions ne font pas de la coopération décentralisée un axe majeur de leur action pour les prochaines années. J'animais avec Cités Unies France une formation de techniciens de coopération décentralisée là, il y a quelques semaines. Ils disent tous la remise en cause, et qui n'est pas que la remise en cause des présidents de région, qui est aussi la remise en cause des habitants des territoires, qui leur disent « Mais attendez, des gens en souffrance, qu'est-ce que vous allez dépenser des sous pour l'électrification rurale en Afrique ?» C'est un discours qui est quand même vraiment monté. Et donc, alors qu'on s'est fixé mondialement des objectifs, qu'on a défini des boîtes à outils, finalement, sur le terrain, ce qu'on nous dit, c'est l'inverse. C'est-à-dire, voilà, c'est justement ce que je disais. Occupons-nous de nous-mêmes et évitons de nous occuper des autres. Donc, on a cette confrontation. Je pense que vous en êtes convaincus, ou en tout cas, on en discutera. C'est évidemment absurde. Les autres territoires du monde ne font pas d'efforts sur le climat, et notamment les grands territoires urbains du Sud, s'ils voient leurs émissions de gaz à effet de serre continuer à augmenter, tout l'argent qu'on est en train de mettre sur l'aménagement urbain du centre de Paris, de Bordeaux ou de Nantes va être sous les eaux. Hein, donc ça ne marchera pas. Donc si on n'aide pas les autres, on coule, au sens quasiment littéral du terme. Donc il y a un enjeu majeur. Il y a un enjeu majeur. Et en fait, ce qu'on voit clairement aujourd'hui par rapport aux grands territoires du Sud, c'est que, ça je peux vous en parler longuement, c'est que finalement, ils sont prêts à agir aujourd'hui, mais ils n'ont pas accès au financement. Ils n'ont pas accès à une partie de l'ingénierie pour monter les projets. Donc ils ont plus besoin que jamais, effectivement, de coopération dont la nature change, c'est-à-dire que le chèque de quelques milliers d'euros pour les panneaux photovoltaïques qui alimentaient la pompe, je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, hein. Je ne veux pas, surtout pas stigmatiser ceux qui le font, mais ce n'est pas le premier enjeu. Le premier enjeu aujourd'hui, c'est de fournir de l'ingénierie aux grands pôles urbains, de la planification territoriale, des montages de projets qui rendent les projets bancables pour avoir accès aux financements internationaux. C'est ça, les grands enjeux. Et là, il y a un savoir-faire des grandes collectivités du Nord qui peut être mis au service du Sud. On est plus sur un accompagnement de projets, voire sur la participation à fournir les garanties qui permettent ensuite aux projets d'avoir accès aux financements que sur de l'aide directe. En plus, c'est beaucoup plus invisible dans les budgets des collectivités territoriales. Donc, par rapport à ces contestations discutables mais qui existent, en plus, c'est plus facile à faire. Et donc, on a un vrai enjeu là-dessus. Maintenant, il faut réussir vraiment à en convaincre les uns et les autres. C'est-à-dire, toute notre difficulté et toutes les grandes périodes de crise se sont passées de la même manière. C'est plus je suis en crise, plus je me replie, plus je me replie, plus je suis en crise, et ça peut finir extrêmement mal. Extrêmement mal. Alors qu'en fait, la clé, c'est
je suis en difficulté, mais justement, je vais quand même faire l'effort d'aller vers plus de coopération pour essayer de résoudre collectivement le problème qui m'impacte. C'est vraiment c'est politique et culturel, hein, c'est pas technique. On est dans ce moment-là. On est vraiment dans ce moment-là. Moi, je suis effectivement très inquiet de la... De ce qu'on entend, de ce qu'on ressent. Et il faut se battre vraiment contre. Si on laisse les choses continuer comme ça, on va finir extrêmement mal. Extrêmement mal. En plus, sur les grands enjeux environnementaux, on voit bien qu'on ne les a pas encore intégrés au cœur de nos politiques publiques en prime. Donc on a beaucoup de difficultés. J'ai peut-être dit des choses un peu en vrac pour introduire à ce stade, mais voilà un peu comment moi je vois les choses aujourd'hui. Donc un temps d'extrême contradiction et une responsabilité collective pour recréer de la cohérence dans ce cadre. Parce que, et je finirai là-dessus, par ailleurs, les choses ne sont pas perdues. C'est-à-dire que le pire n'est pas certain. Le pire n'est pas certain. Le pire n'est pas certain sur le climat. C'est-à-dire qu'il y a encore des scénarios qui nous permettent de stabiliser les choses dans un cadre raisonnable. Je vais vous donner juste un chiffre. J'ai co-présidé et co-organisé le sommet mondial climat et territoire à Lyon l'année dernière, en juillet, et on a présenté de manière agrégée la totalité des engagements aujourd'hui existants sur les territoires, là où les maires, les présidents de région ont pris des engagements, notamment jusqu'en 2020. À l'échelle mondiale, et en intégrant notamment un certain nombre de grands États fédérés du Canada ou des États-Unis, on arrive à des engagements de réduction de 2 milliards de tonnes de CO2 en 2020 par rapport au scénario business as usual. Par rapport au scénario du laisser-faire, ces engagements politiques-là, territoriaux, représentent 2 gigatonnes. Alors ça vous dit peut-être rien, 2 gigatonnes. Il faut savoir que ça représente à peu près 13% de la population mondiale qui sont engagés par leurs élus. Si on fait une règle de 3 sur l'ensemble de la population mondiale, on arrive à peu près à 15-16 milliards de gigatonnes qui serait économisé si l'ensemble des territoires du monde avaient les mêmes engagements politiques et engagements déclinés en politiques publiques opérationnelles. Le GIEC nous dit qu'il faut gagner 9 gigatonnes en 2020 pour être dans le scénario 2 degrés. Donc on est sur des chiffres qui sont des chiffres qui nous mettent en capacité de stabiliser le climat. Donc c'est pas perdu. Sur l'alimentaire, qui est un autre des très grands enjeux aujourd'hui, y compris en y intégrant le fait d'essayer de restaurer les terres arables, ce que Monique Barbu porte très fortement dans le cadre de la Convention désertification, on peut nourrir 10 milliards d'habitants sur cette planète. C'est pas très très compliqué. On sait faire. On va pas tout à fait dans ce sens-là encore, mais on sait faire. Donc, si on a un monde, et là aussi, c'est une question de flux financier, la récupération d'un certain nombre de terres abîmées aujourd'hui, c'est pas très très cher par rapport à l'enjeu. Donc, on peut encore, moi je ne tiens pas du tout un discours défaitiste, mais je ne le tiens pas uniquement par posture politicienne, c'est-à-dire quand on regarde les chiffres, on peut encore. Simplement, ça n'est possible que si on est plus solidaire, si on crée plus de flux financiers vers le sud, plus d'outils financiers au moment même où on a plutôt tendance justement à se replier et à garder ses sous pour soi. Voilà, c'est le moment. Et suivant les décisions qu'on va prendre d'ici 2020 et les actions concrètes qu'on va pouvoir mettre en scène d'ici 2020, parce que la valeur de l'exemple reste centrale, eh ben, on ira dans un sens ou dans l'autre. Et c'est notre responsabilité à tous. Voilà.